Bonjour mes aquarellistes, et c'est déjà défi numéro 35. Nous sommes presque prêts pour avoir des vrais cours personnels en direct, donc une période intermédiaire pour moi où je prépare pour montrer et pas beaucoup de temps pour filmer. Donc pardonnez-moi, mais je le fais simple cette fois et je vous montre et explique le sujet de ce défi. Et c'est les objets qui ont des visages. Très simple et un peu drôle. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec la création. Donc à très bientôt et ciao ciao! Donc des objets avec des visages. Par exemple, ce robinet. Des œufs. Oh. Un peu compliqué à peindre, mais un visage fantastique, je crois. Comme aussi lui. Et ça. Ils sont tous ajoutés à votre weekly de cette semaine. Beaucoup plus simple, les deux, mais absolument des visages. Et pour fermer le dernier, le poivron. Donc c'est une méthode de peindre une image qui existe déjà, mais vous pouvez naturellement aussi utiliser le vôtre que vous trouvez dans votre maison, ou peut-être faire comme ça. Par exemple, ici si on met une boucle d'oreille, une gomme et une broche pour un visage contente. Ou un visage pas trop contente, ou peut-être avec une élastique, voilà, un jeton et de punaise. Voilà, donc ça aussi donne un peu de créativité et c'est bien dans cette période. Beaucoup de plaisir avec, beaucoup de créativité, et à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao!